Débutons cette revue de presse économique africaine avec le site d'information en ligne, lenouveaugabon.com. Le journal, titre, bon de trésor assimilable. Plus de 3015,62 milliards de francs CFA mobilisés pour le Gabon en 7 ans. La société pétrolière Perenco souhaite étendre ses activités de transformation du gaz naturel associé en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Bidumbu, et Actu Guérod, directeur général de la société pétrolière Perenco. Fait savoir ZoomEco.net. Au Bénin, l'indice des prix à la production des produits agricoles s'est établi à 140,2 au premier trimestre 2021, soit une hausse de 3,3% en variation trimestrielle, annonce le bulletin trimestriel de l'indice des prix des produits agricoles à la production publié à Cotonou, indique le site d'information à Cotonou.com. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 7 juin 2021 un accord de confirmation et un accord au titre de la facilité de crédit de confirmation pour un montant de 350 milliards de francs CFA et achève ainsi la troisième revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique au Sénégal, informe financialafrique.com. L'agence d'information Ecofin fait savoir que le scale-up sud-africain Where's My Transport, qui cartographie les réseaux de transport public et met en disposition les données produites pour améliorer l'expérience de transport, a obtenu comme deuxième tranche d'un financement de série A le montant de 14,5 millions de dollars. La Banque centrale d'Égypte indique que les réserves internationales nettes ont augmenté d'environ 125 millions de dollars pour atteindre 40,466 milliards de dollars en mai contre 40,343 milliards en avril 2021. Les détails à lire sur le site d'information ecodafrique.com. Thierry Kepeden, DG de la filiale locale de ASA, a pris les rênes de l'association des assureurs du Cameroun, informe l'économie.com. Les employés du Madjeni en grève pour 13 mois de salaire impayé. Ils revendiquent également le paiement des divers droits, pointant un doigt accusateur sur Désiré Abongontang, le directeur général de cet établissement placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics, informe ecomatin.com. Investi au Cameroun fait savoir que Ineo a versé une somme de 2,7 milliards de francs CFA à Victoria Oil and Gas, maison mère du gaz du Cameroun, pour mettre fin au litige commercial avec la dite société. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse L'Économie News.